Bonjour à toutes et tous. Nouveauté, je vais vous présenter trois actions que nous avons décidé d'appuyer au niveau du Conseil communautaire hier soir. Première action, le Conseil communautaire s'est engagé à renforcer notre position sur le label territoire engagé transition écologique. Et donc, notre objectif, c'est d'obtenir la troisième étoile. Parmi ces actions, on trouvera d'un côté le réemploi dans les déchetteries, avec un nouveau bâtiment. On travaillera sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur des parkings, mais également sur des équipements publics. On travaillera sur la modulation de l'éclairage public et enfin sur la sensibilisation à la biodiversité. Deuxième projet, le projet alimentaire territorial de Cergy-Pontoise, mais aussi du Vexin français. Ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à trouver 90 hectares de maraîchage dans l'ensemble de notre territoire pour permettre à toutes les écoles de Cergy-Pontoise d'avoir des produits en circuit court. Et nous allons obligatoirement racheter un certain nombre de terrains. Nous allons essayer de former ou de trouver des agriculteurs qui puissent aller vers le maraîchage. C'est un enjeu essentiel pour la santé publique de nos enfants, mais pour la santé également de tous. Dernier projet, il s'agit bien sûr du campus international qui est aujourd'hui le fleuron en termes d'attractivité de notre territoire. Ce projet, c'est un projet à Neuville-sur-Oise autour d'un IUT qui nous permettra d'accueillir d'autres types de formations. Donc à la fin, on arrivera à 35 000 étudiants et l'objectif de CY, pouvoir être dans les 100 première université mondiale. Il y aura d'autres projets qui arriveront prochainement pour que CY s'installe encore plus fortement sur notre territoire.